Il y a quelque temps, je traînais sur YouTube à la recherche d'un but, d'une vidéo ou même d'une idée de podcast. Et puis je suis tombé sur la réflexion de la vie. Je suis tombé sur des vidéos philosophiques. Alors j'ai décidé moi-même de m'y mettre afin de moi aussi apporter ma version philosophique de la vie à cette grande épopée qu'est YouTube. J'ai décidé d'apporter ma pierre. C'est un fail. Hello les potos, c'est Powerline. Et aujourd'hui, on se retrouve sur Antichamber. Je me suis niqué la tête. Le jeu qui a la réputation de casser nos cerveaux. Et il y avait une phrase ici et elle a disparu. Je commence déjà à halluciner. Nous allons enquêter. Et voilà, il a fallu que je fasse une connerie encore, moi, tiens. Bref, donc, comme je disais avant ce magnifique bug, on se retrouve sur Empty Chamber. Et du coup, je propose. Jump! Comment on jump? Ah, comme ça. Banzai! Et c'est la chute. Et c'est la chute. Voilà. Bon. Ah! Mais il casse le cerveau de quoi? On est déjà à la fin! Enfin, on est déjà à la fin! Et allez, c'est reparti! Aïe! What? Raté! Le succès ne veut pas dire que tu as raté le progrès. La progression. Ok, j'ai rien compris. On est où là? D'accord. Suivre le chemin tracé ou ne pas suivre le chemin tracé? J'adore le 4x4. On sort des sentiers battus. S'aventurer dans l'inconnu peut t'assurer de belles récompenses. Ah ouais! Oui, il y a un tunnel. Il n'y a rien. Oh! Qu'est-ce que. Mais. Laisse-moi passer! Mais pourquoi je vois pas le. Ah merde! Je peux pas passer là non plus, putain. Allez, encore une chute. Youpi! Le blanc rouge, c'est François le Français! Le choix ne sert plus à rien si le résultat est le même. Si le résultat est le même, moi je fonce dans le mur, je tombe! D'accord, bon, on tente en bas, allez! Ok, c'est pas, je peux toujours pas. Et on tente en haut! En haut, en bas, à gauche, à droite, et on y va en marche arrière. Yéhi! Ça marche? Non? Alors on y retourne en marche arrière. Youhou! Bon, ça marche pas. Alors on va repartir en envers. Yéhé! Oh! Quand tu retournes de là où tu viens, il y a des choses que tu ne peux pas toujours te rappeler. C'est-à-dire quoi ça? Certains choix nous font courir de partout sans pour autant nous faire aller anywhere. C'est la fin? Mais j'ai cassé mon cerveau de quoi? Je me suis pas retrouvé bloqué. Échappe! Ah mais en fait. Ah non, il y a plusieurs solutions possibles. Maturing to the unknown. Et si je retourne là? Aïe! Mais what? C'est la même œuvre d'art qu'il y a là-bas? Mais. Ok, j'ai rien compris. Ouh, on est le pistolet laser! Ok, je commence à comprendre le côté cassage de cerveau, hein. Hé, hey, mais l'escalier est là à l'envers, mais monte là-dessus. Allez! Toujours se servir d'un petit cube. Eh oui! Et maintenant? C'est dur de progresser. If you're leaving this behind. Ah, je pense que c'était un piège. Genre si j'avais laissé ça derrière. Mais j'ai pas été con. Ah, oui. Donc voilà. Et là, je le récupère. Et je peux pas le récupérer. Merde! Ah, mais qu'est-ce que je peux être intelligent?
Oh là là, c'est pas possible, Powerline, mais qu'est-ce qui t'arrive? Oh, j'en ai deux maintenant. Ah oui, merde. Hop, hop. Oh là là, mais pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt? Et hop, ça vient ici. C'est qui l'abruti qui a tout fait à l'envers? C'est moi. Qui c'est l'abruti qui maintenant est coincé? C'est moi. Allez, il retourne. Oh, l'exit. Ah, oh, merde. Voilà, donc là, alors attends. Attends que je me rappelle. J'ai fait quoi là? J'ai... What? La passe n'est pas la meilleure, n'est pas le vrai ou le faux. Ça peut juste être différent. J'ai pas compris là. Pourquoi vous me parlez? Une grande pièce vide. Waouh, mais... Don't look down. Down. Don't look down. Bientôt vous retrouverez ce single partout sur les... Ah, c'est déjà un single, merde. Don't look down. Bon, ben... What? Wouh! Attends. Je vais me péter une jambe, une rotule, un coude, une nuque, une grosse bordel. Non, ça va, je suis pas mort. Eh, mais je suis revenu. Hein? Trop de curiosité. Peut-être le meilleur des de nous. J'ai pas tout compris, mais. Mais ça nous a ramené. Mais c'est un ascenseur! Attends une seconde, mais... lorsque tu as touché le fond, la meilleure solution est le haut. Le haut est en bas. Captain Jack Sparrow, dédicace. Alors maintenant, don't look down. Eh merde! Don't look down, don't look down. Ah, je vais me niquer la... Aïe. J'en ai plus que marre de me retrouver ici. Et j'ai encore pris le chemin pas... Ah, mais c'est pas possible. Ok. Ok. Donc ça, c'est normal. Ça, c'est le truc avec le pistolet. Ça, c'est le truc où j'ai été. Ça, c'est le truc qui ouvre la porte. La fin peut venir... avant que l'on soit prêt à la voir. Oh, c'est... Oui! J'ai réussi à casser le jeu. J'ai réussi à finir le jeu. Oh my god! Life, la vie, ce n'est pas juste d'arriver à la fin. Merde! Ah, voilà. Certains temps, on a besoin de voir le monde d'une autre perspective. C'est cool. Cela veut dire... What? Ce truc apparaît, il disparaît à chaque fois que je regarde ici. Viens là! Hein? Il a disparu. Merde. Il marche plus, merde! Oh non, je vais être obligé de retourner là! Et voilà les potos, c'est sur cette petite vidéo que l'on va se quitter. Voilà, Anti-Chamber, le jeu qui a la réputation de fracasser ton cerveau. Eh bien, on peut dire que la réputation est bonne. Voilà. Sur ce, donc, j'avais vraiment envie de le tester. Voilà, ça fait un petit jeu gaming de temps en temps. La semaine prochaine, on se retrouve pour le premier défi de Powerline qui m'a été conseillé par deux abonnés. L'un a conseillé le défi... l'autre le jeu sur lequel réaliser le défi. Et franchement, j'ai trouvé ça parfait. Sur ce, les potos, j'ai envie de vous dire, abonnez-vous, rejoignez-moi sur Facebook, sur Twitter, Rototo, oui, bien sûr. Et j'ai envie de vous dire, à bientôt pour de nouvelles aventures. C'était Powerline342 et Beckett qui vous disent, à bientôt. Beckett, toi, t'es censé venir avec moi.